Everyone is doing well. Welcome again. Bonsoir, bienvenue. Alors, je m'appelle Eric et je vais avoir la chance de vous présenter notre invité spécial ce soir. And before I introduce you to our very special and dear guest tonight, just want to make sure everyone is comfortable, not too cold, not too warm. Okay? It's very nice to see some of you I haven't seen for a while, so special greetings. And it might be a good time to turn off your cell phones. And on peut éteindre peut-être les téléphones cellulaires. On va peut-être mettre un peu de lumière dans la pièce du fond aussi pour éviter juste mettre un peu de lumière. Est-ce que je devrais vous proposer, parce qu'il y a vraiment, je sais qu'on a l'air d'être nombreux, mais en fait, on n'est pas si nombreux que ça. Il y a un exercice physique qui est très intéressant qui viserait à faire que tout le monde se rapproche un petit peu. Ça permettrait à ceux qui sont dans le fond d'être plus près. Est-ce qu'on joue un peu ce jeu? If you want to try, you all try to move your chair closer, and it's going to make a nice wave, like in a big rock movie, rock concert. And you just do like a rave, you know? You all come a bit closer, so those who are in the back won't feel so far away. Nice, warm, and cozy. Is that okay? From here, it looks very good. It's funny. It's in Bunsen. Ok, c'est un peu le chaos, mais ça va. Comme ça, tout le monde est un peu plus près et ça permet à ceux qui sont derrière. Ça va, vous êtes confortable quand même? Alors, est-ce qu'il y en a qui viennent ici pour la première fois ce soir? Il y en a qui ne connaissent pas le centre, qui découvrent le centre, vous êtes tous les deux, oui? Ah oui, sympa, bien sûr, oui. Okay, so anyone comes here for the first time, yeah, tonight? Yes, so very special welcome, and I hope you enjoy the place and find yourself at home here. On est bien sûr un centre de méditation, mais c'est un centre aussi de réflexion, un centre de pensée, un centre de découverte. So I think we advertise as a meditation center, but at the same time, it's way more than just a meditation center. It's a place where so many understandings can be shared and realizations, awarenesses, and mostly experiences to experience something great in your life. So I hope that everyone find a place to be their home. Ce soir, on va parler de rester un peu très calme en plein milieu des tempêtes. Et on a un invité dont on est vraiment très content de pouvoir vous le présenter. C'est un très bon ami, en même temps un compagnon de chemin spirituel depuis de nombreuses années. Et donc, la personne qui va présenter la conférence ce soir s'appelle Charlie. Je connais à peine son nom de famille tellement je le connais que comme Charlie. Alors, c'est pas le Charlie de Charlie Brown, pour ceux qui connaissent Charlie Brown. You know Charlie Brown? Yeah, he knows Charlie Brown. Mais il a la sagesse du Charlie Brown, avec une façon de nous amener tellement de sourires et de bonheur. And to introduce Charlie, sometimes it's, you know, we can give a curriculum or can give a whole list of, you know, achievements, but certain people in the world have the art of expressing some truth that are difficult sometimes to grasp. But if somebody is clear and in their head, in their heart, they have that ability to translate a truth in a way that you feel it makes sense to you and it belongs to you. And I've been hearing Charlie for more than almost 30 years, and I've known him since quite a number of years, and Charlie started with this organization probably around 40 years ago, I think, somewhere like that. And Charlie was actually one of the first in the Western world to join this organization, which at the time was mostly in India. Et donc, quand Charlie a commencé avec les Brahma Kumaris, c'était une organisation assez petite qui existait surtout en Inde dans les années 70. Et il a vu l'organisation grandir d'une organisation fondamentalement indienne à une organisation internationale dans plus d'une centaine de pays à travers le monde maintenant, avec plus de 8000 centres à travers le monde. Charlie a eu la chance d'accompagner énormément de personnes qui ont commencé un chemin spirituel comme moi, un âge assez jeune, dans notre vingtaine, puis on a vieilli ensemble, vingtaine, trentaine, quarantaine. So we grow together, you know, from our 20s, our 30s, our 40s,
And it's still going on. Et c'était vraiment une belle aventure et je pense que Charlie a l'art de pouvoir aider les gens à mieux comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on cherche dans notre cheminement spirituel, qu'est-ce qu'on essaye d'acquérir, de développer dans notre cheminement spirituel. Et chacun vient avec des besoins différents et avec des recherches différentes. So each one will come with different purpose, different aims. Everyone is looking for something. But it's good to have sometimes people that shine bright, you know, that tells you this way, come this way, I can show you something. So without any more introduction, I'd like to invite Brother Charlie to come on stage and join us. You see, we look like brothers, we dress about the same. We, you know, plan this ahead of time. So Charlie is actually based at the moment in Australia, although I don't know how many months per year he's traveling, but I think probably most of his time is almost resident of the sky. It's how we define angels, actually. They spend a lot of time in a plane, and they just touch down, you know, to say hello, and then they go back on a plane again. Donc, il passe pas mal le temps de sa vie dans les avions, à voyager partout à travers le monde. Il a présenté la philosophie des Brahma Kumaris dans à peu près tous les pays au monde. Et on l'aime beaucoup parce qu'il est très accessible. C'est quelqu'un de très simple, très doux, très très sympathique en plus. Et donc, il est invité vraiment partout à travers le monde. From one place to another, you just go around the world endlessly. He's not a great soccer expert, so we're trying to tell him what's happening in Brazil, but that's a wisdom he has not attained yet. So maybe we'll catch up later in a private screening of football games. But that's not the topic for tonight. Tonight is being in the eye of the storm. So welcome very much, Johnny. And Thank you, Eric. it's your second visit in Montreal. It is. You've been here a few years ago. So we welcome you again and happy to listen about either your experience of being the eye of the storm or the storm around the eye. I don't know. You tell us. So, good evening, dear friends. It's really lovely to be here. Bonsoir, chers amis. C'est bien, bien agréable d'être ici. And it's so beautiful to be back in this lovely center. It's a beautiful center, isn't it? C'est vraiment agréable d'être dans ce centre qui est vraiment très joli, très agréable, n'est-ce pas? Et vous êtes censé dire oui, bien sûr. Oui. OK, thank He's prompting. I would love to be able to speak to you in French, but unfortunately I can't. But it's good, some don't understand French, so it would be very nice to speak. Il aimerait bien parler en français, bien sûr, mais langue qu'il ne maîtrise pas. But I wonder whether you know that actually the French reached Australia before the British. Did you know that, Eric? Mais demande, est-ce que vous savez qu'en fait les Français ont été en Australie avant les Anglais? But they arrived in the north of the country, which is total desert. And so they saw something and they thought, there's nothing here, and they left again. Le seul problème, c'est que les Français ont été dans le nord de l'Australie, qui est un immense désert, donc ils n'ont rien trouvé, ils sont repartis. So as Eric was saying, tonight we're going to journey into the eye of the storm. Et donc, comme je le mentionnais plus tôt, on va cheminer ce soir dans l'œil du cyclone. Là. I have an old friend of mine who tells a story about this. Un vieil ami qui me raconte souvent une histoire à ce sujet. I think many of you have taken a holiday in the Caribbean, is that correct? Plusieurs parmi vous êtes allés dans les Caraïbes en vacances. And I think you all know what beautiful weather there is most of the time in the Caribbean. Vous connaissez le temps magnifique dans les Caraïbes. But it's also famous, I think, for typhoons. Mais c'est aussi connu pour les typhons et les ouragans. And not only famous for typhoons, but they come incredibly suddenly and quickly. Et non seulement c'est réputé pour en avoir beaucoup, mais c'est qu'ils viennent subitement et de façon très violente aussi. And there's a lot of shipping lanes through the Caribbean. And he tells the story that one day there were many ships in the area, and one of these huge typhoons just blew up almost Et instantly. on sait que dans les Caraïbes aussi, il y a des voies maritimes. Et un jour, alors que les bateaux passaient, il y a eu un typhon qui a vraiment, qui est surgi comme ça, subitement. And the Coast Guard had no time to warn the ships. Personne n'a eu le temps d'avertir les bateaux.
But some of them began to steer their way out of the storm. Certains ont réussi à vraiment naviguer vers l'extérieur de la tempête. But one ship's captain decided to steer back into the storm to try to find the eye of the storm. That was after you gave a lecture on the eye of the storm, or before? Il y a un bateau qui a quand même réussi, qui a décidé plutôt d'aller vers le centre de la tempête et d'aller dans l'œil vraiment du cyclone. And as the storm moved, he kept his ship in the eye of the storm, the calm eye of the storm. Et tout en voyant que la tempête progressait, le bateau a décidé de rester au cœur, vraiment dans l'œil du cyclone au fur et à mesure qu'elle avançait. And when all the ships arrived back in port, his ship was the most least or the least damaged of all. Et quand tous les bateaux ont rejoint le port, c'était son bateau qui était le moins abîmé de tous. So I wonder how you're steering your ship. Et donc je me demande comment est-ce que vous naviguez votre bateau. How about you, Eric? How's your ship going? As long as I follow you, I'm fine. I'll just go with you. Je me demande comment va mon bateau. Je dis moi, je vais le suivre et après je verrai. Because I think the reality, wherever you live in this world, is an incredibly unpredictable, uncertain, and very stormy world. Peu importe où est-ce qu'on est dans le monde en ce moment, c'est toujours, il y aura toujours des situations vraiment imprévisibles, subites et de façon assez violente parfois qui peuvent surgir comme une tempête. And probably one of the greatest arts of life today is to keep my mind calm in the eye of the storm as the world rages around me. Un art probablement extrême dans cette vie-ci en ce moment qu'on pourrait développer, c'est comment rester un peu dans, comment garder l'esprit calme, comme s'il était vraiment dans l'œil du cyclone. Is it easy? Est-ce que c'est facile? Who feels it's easy? Qui pense que c'est facile? No one. That's right, yes. Dans l'œil du cyclone, c'est calme. So just, I think, for me, looking at the world as it is now, there's a few conclusions I come to. En regardant le monde dans l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui, on peut en tirer quelques conclusions. Firstly, there's no turning back. En fait, il n'y a pas de retour possible. Il n'y a pas, on ne peut pas se faire marche arrière. You know how some people want to wind back to the clock to the good old days, you know, when everything was much more settled and calm. Il y en a qui aimeraient bien des fois faire marche arrière, revenir dans le passé, quand c'était beaucoup plus calme, quand c'était plus. I think the reality is though that we're going to see increasing speed of life. En fait, ce qu'on remarque davantage et ce qu'on va voir, c'est une accélération de la vie davantage. Increasing instability. Une instabilité qui augmente sans cesse. More economic upheaval. Plus de troubles économiques, de perturbations économiques. Social transitions. Des transitions sociales. In other words, more and more crises. En fait, de plus en plus de crises. I think seeing the reality of life today, the second conclusion I have or I feel is that we need a new approach. Et en regardant un peu l'état du monde, donc une deuxième conclusion qui me vient à l'esprit, c'est qu'on a besoin d'une nouvelle approche. If I want to try to create a life where I can keep my mind in a calm place, I have to really reflect on how I think and how I behave. Si je veux vraiment trouver une vie dans laquelle mon esprit reste calme, reste stable, j'ai besoin de vraiment repenser comment penser et comment me comporter. Many years ago, someone asked me a very, very simple question. De nombreuses années, quelqu'un m'a posé une question toute simple. But it really hit me very deeply. Et ça m'a vraiment touché profondément. She asked me, what do you have control over in your life? Et on m'a demandé, qu'est-ce que tu contrôles vraiment dans ta vie? She said, do you have control over the economy? Est-ce que tu as le contrôle de l'économie? Of course not. Non. Do you have control over decision makers and bureaucrats that run our lives? Est-ce que tu as un contrôle sur les preneurs de décision, les bureaucrates qui contrôlent notre vie en fait? No. Do you have control over your boss or your colleagues? Est-ce que tu as un contrôle sur ton patron ou tes collègues? I don't think so. Do you even have control over your family and your friends? Est-ce que même tu peux dire que tu as un contrôle sur tes amis et ta famille? Ultimately, where is my sphere of influence in life? Et donc, en fait, ultimement, où est ma sphère de contrôle dans la vie, d'influence?
It's my thoughts, my attitudes, my feelings, my behavior. Donc, ce sont mes pensées, mon attitude, mes sentiments, mon comportement. So I think on this journey to the eye of the storm, the realization that I can't control outside, but I can control my reactions to outside. On conclut donc qu'on ne peut pas contrôler l'extérieur, ce qui nous arrive extérieurement, mais on peut contrôler ma réaction à ce qui se passe à l'extérieur. And I think the third conclusion I come to is that for these times we need a new wisdom. Et l'autre, la troisième conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que pour le temps présent, on a besoin d'une nouvelle sagesse. And I'm really fascinated by this whole concept of intelligence and wisdom. Et en fait, ça me fascine ce concept d'intelligence et de sagesse. We all have our intellectual ability, which can help us study, you know, develop a career, earn an income. Nous avons tous une capacité intellectuelle qui nous permet d'étudier, de gagner un revenu, donc en travaillant. But when the storm of life rages in my mind, does it help me? Does that intelligence help? Mais cette intelligence intellectuelle donc ne nous aide pas lorsqu'il y a une tempête qui commence à rugir dans ma vie. I don't think so. Je pense pas. Then we know we have the fashionable language of today. We have our emotional wisdom or our emotional intelligence. On a dans notre langage un petit peu moderne une formule qu'on appelle l'intelligence émotive ou émotionnelle, l'intelligence émotionnelle. And this is the wisdom for me to build really deeply rich and loving relationships in life. C'est une intelligence en fait qui m'aide à construire des relations profondes, riches dans ma vie. How important is that? Donc, combien cela est important? But the intelligence that really fascinates me is spiritual intelligence. Mais l'intelligence qui me fascine le plus, c'est l'intelligence spirituelle. If emotional intelligence is the wisdom to have a rich, loving relationship with others, spiritual intelligence is the wisdom to build a rich, loving relationship with me. Et si mon intelligence émotionnelle me permet d'avoir une relation riche et profonde avec les autres et emplie d'amour, l'intelligence spirituelle me permet d'avoir une relation riche et emplie d'amour pour moi-même. The first relationship in life is with me. Ma première relation dans la vie est avec moi-même. And when that relationship is dysfunctional, it pollutes each and every aspect of my life. Quand cette relation est donc dysfonctionnelle, elle pollue toutes les autres relations dans ma vie. I don't know what it's like in Quebec, but I did 18 years of school and university. I never had even 1 hour where anyone taught me about my mind. Je n'ai pas commencé au Québec, mais dis-moi, pendant 18 ans d'études, jamais quelqu'un m'a enseigné pendant même une heure ce qui se passait, ou ne m'a jamais enseigné l'esprit, en fait. Don't you think that's extraordinary? Je ne sais pas que c'est extraordinaire. Mais in Quebec, we learned that very quickly. About I can see, Eric, I can see. Okay, that's right. It just shows the entire focus of life is external, which is quite superficial in a way. Ce que ça montre, c'est que toute l'attention est toujours portée vers l'extérieur, vers ce qui nous entoure, et donc ce qui est très superficiel. But one huge aspect of spiritual intelligence is to begin to understand my mind, care for my mind, and learn to protect my mind from the storms of this world. Mais en fait, une forme d'intelligence spirituelle importante, c'est d'apprendre à s'occuper de son esprit, à soutenir son esprit, à le protéger pour qu'il puisse justement réagir correctement aux tempêtes extérieures. I've read a lot of research about the human mind. J'ai fait beaucoup de recherches sur l'esprit humain. There's one researcher who says that in a waking day of 16 hours, we create 30 to 50,000 unique thought patterns. Une recherche nous montre que dans un mode éveillé, on peut créer jusqu'à 33 à 50 000 pensées ou formules de pensée. 33 à 50 000 pensées. Please don't ask me how he counted them. I have absolutely no idea. J'aimerais beaucoup savoir comment ils les ont comptées. Je ne sais pas comment ils se sont pris pour les compter. Another researcher says that in a minute you can speak about 125 words, but you think about 500. Notre recherche montre que en une minute, on peut utiliser 125 mots,
mais on peut penser à 500. You know, when you're talking to somebody, you're talking, but how many things are happening in your mind? How much assessment and is going on at that time? Tout en parlant à quelqu'un, vous savez très bien que même l'esprit continue. Combien d'évaluations, combien de pensées peuvent se dérouler en même temps qu'on parle à quelqu'un? In psychology, they say that the human mind can be aware on 7 different levels at any given moment. En psychologie, on parle du fait que l'esprit humain peut être dans une conscience à 7 niveaux différents au même moment. And I have a friend in Australia who's a professional drummer. J'ai un ami qui est un batteur professionnel en Australie. And I'm amazed sometimes watching him. Both his feet are doing the pedals. Both his hands are doing different rhythms. He sings and he watches the reaction of the audience. You know, the mind coordinating so many activities. It's an extraordinary instrument. C'est fascinant de le voir utiliser les deux mains faisant une chose, les deux pieds autre chose, en chantant et en regardant en même temps la réaction des autres. Because I feel these days more than ever, it's essential to have a strategy to care for my mind. Et en fait, maintenant, ce dont on se rend compte, c'est qu'il est vraiment essentiel et vraiment important d'avoir une stratégie pour s'occuper de son propre esprit. The mind is constantly bombarded with information. L'esprit est constamment bombardé d'informations. We wake up in the morning and what do we, you know, we turn on the radio or television. Première chose qu'on fait le matin, on allume la radio, la télé. We go to work and sit in front of those little funny screens, you know, that seem to bedazzle us all these days. On va au travail, au bureau, et la première chose qu'on fait, c'est qu'on s'assoit devant ces petits écrans, vous savez, qui ont tendance à avoir complètement monopolisé notre vie maintenant. We come home and we turn on the television again. Et on allume la télé encore. The noise, the busyness is sending us crazy. En fait, le bruit et l'activité autour de nous en ce moment est complètement folle. We crave a stillness, we crave a mind at peace, a mind at rest. En fait, on a vraiment envie, on recherche cet esprit tranquille, ce moment de tranquillité. But the noise and the busyness has a purpose. Mais le bruit dans les affaires a un but. It stops me from really going deep to see who am I, what is really happening in my life. Tout ce bruit en fait m'empêche d'aller en profondeur pour voir qui je suis, qu'est-ce que je suis véritablement dans ma vie. The image I have these days for me about my mind is that my mind is a sacred place inside. En fait, l'image que j'ai pour mon esprit en ce moment, c'est que c'est un espace sacré pour moi intérieurement. And I love the image that my mind is like a crystal clear pond of water. Just imagine that image in your mind. J'aime beaucoup l'idée de voir mon esprit comme un étang d'une eau vraiment d'une eau comme le dans le genre, ouais. Cristallique. Its natural state is to be so still, so clear, so tranquil. En fait, dont l'état sera tellement clair, propre, tranquille, la surface de cette eau sera tellement belle. And deep spiritual wisdom is required to keep it that way. Et il faut vraiment une sagesse profonde pour être capable de garder son esprit de cette façon. But there are many gateways into that sacred place. Il y a beaucoup de portails, de portes pour accéder à cet espace sacré. The first gateway is my ears. La première porte, ce sont mes oreilles. I hear opinions, I hear comments, and sometimes I allow them into that sacred place inside. J'entends des opinions, des commentaires, et je permets à ces opinions et commentaires de venir dans mon espace sacré. Dark clouds of stormy thoughts start to appear. Et donc il y a toutes sortes de pensées un peu qui commencent à apparaître comme des tempêtes. Strong winds of negative emotions start to blow through my mind. Des vents très forts, des émotions négatives qui commencent à souffler à travers mon esprit. And within seconds, the comments or opinions can create this huge storm in my thinking. Et juste en quelques instants, ces opinions, ces commentaires peuvent commencer à créer cette tempête dans mon esprit. With all our intelligence, we have no means to protect this sacred place. Et malgré toute notre intelligence, on n'arrive pas à protéger cet espace sacré. Sometimes through my eyes, that's another gateway. Une autre porte d'entrée sont mes yeux. I see injustice. Je vois de l'injustice. I see arrogance. Je vois l'arrogance. I see dishonesty. Je vois la malhonnêteté. And sometimes it feels like
it's violated my sacred space inside. I allow it to penetrate and drive my thinking. C'est comme ça violait un petit peu cet espace sacré intérieur et ça venait interférer avec mes pensées. With all our wisdom, we are addicted to thinking. We can't stop. Et malgré toute la sagesse, on est complètement dépendant de cette pensée qu'on n'arrive pas à arrêter. It just drives my thinking and I have no means to put an end to the storm. Ça continue à diriger mes pensées et j'arrive pas à arrêter cette tempête. Another gateway is my memory. Une autre forme, notre porte d'entrée, ce sont mes mémoires ou ma mémoire. You know the wonder of the human mind. Vous connaissez la merveille de l'esprit humain. That in a split second, I can travel back 10 years, 20 years, 30 years, and re-emerge a whole scene and every emotion associated with that scene onto the screen of my mind. Vous savez qu'en un quart de seconde, on peut retourner 10 ans, 20 ans, 30 ans en arrière et réveiller toutes ces émotions et les projeter sur l'écran de mon esprit. And it's like I bow down and say, "Oh mind, you're all powerful," and I let the storm rage. C'est comme si je m'inclinais devant mon esprit et je lui dis, "Oh esprit, c'est toi le tout-puissant," et je laisse cet esprit partir dans la tempête. When I began to meditate, one of my first realizations, I was amazed, and I can remember the language I used. I felt like a slave inside my own head. Une des premières expériences que j'ai eues dans mes méditations, et je me souviens encore de l'expression vraiment que j'utilisais, c'est de me sentir comme un esclave de mon esprit. In other words, I realized just how little control I had over my mind. Donc, j'ai en fait réalisé combien j'avais peu de contrôle sur mon esprit. And so sometimes these thoughts just take over my thinking, the storm begins to rage, and that sacred place, the eye of the storm, hardly is seen at all. Et donc parfois ce qui se passe, ben, c'est que les pensées s'emballent, elles deviennent comme une tempête qui rugit, et à ce moment-là, ce petit espace sacré, l'œil de la tempête, disparaît complètement. I really feel in this environment, this world in which we live, it's essential to learn strategies to protect my mind and keep it calm as the world rages around me. Je trouve que vraiment dans le monde dans lequel on vit maintenant, il devient vraiment essentiel de trouver les stratégies qui permettent de garder cet esprit à l'abri un petit peu de ces tempêtes qui n'arrêtent pas de rugir. I'd just like to reflect on a few of the storms that all of us face. J'aimerais ça réfléchir un petit peu avec vous sur plusieurs formes de tempêtes auxquelles on doit tous faire face. The first one is like the things of the world that come to all of us. La première forme de tempête, c'est en fait toutes ces choses du monde qui viennent à nous. You know, the storms from the economic, political, social, environmental situations. Une tempête qui vient à cause de la situation économique, sociale, politique ou économique à travers du monde. The crises of work and career and finances and all these things. Les crises associées à notre milieu de travail, notre emploi. L'économie, les finances, etc. I think to deal with these things, to develop a solid place inside, I need to understand deeply who I am. Et pour me trouver une formule ou une stratégie qui me permet d'être protégé de cela, je dois trouver vraiment une compréhension profonde de qui je suis. And the way I look at it these days, it's like we all have three personalities living inside. La façon dont je le vois en ce moment, c'est que c'est comme si nous avions tous trois personnalités qui vivent en nous. Have you ever felt there's more than one person living up here? Avez-vous déjà pensé que vous avez plus d'une personne qui vit à l'intérieur? Look, Eric's got a few living inside, I think. If it was only three, that would be easy. Si c'est seulement juste trois, ça irait, mais... The first personality is what I call the facade that we present to the world. La première personnalité est ce que j'appellerais la façade que nous présentons au monde. I call it the eye of arrogance or the eye of superiority. C'est l'œil de l'arrogance ou l'œil de la supériorité. And two of these personalities create almost constant stormy thinking, and one of them helps me move into the eye of the storm. Donc deux de ces personnalités ont toujours ces pensées un petit peu de tempête, mais une peut m'aider à aller dans l'œil de la tempête.
The eye of arrogance has a whole thinking, feeling, behavioral structure inside. Et donc l'œil de l'arrogance, c'est toute cette structure de la pensée, du sentiment et de la manifestation, donc de le comportement qui démontre un petit peu cette façade que je présente aux autres. In a split second, I compare. Dans un quart de seconde, je me compare. I think I am better. I know more. I am right. Je suis meilleur. Je sais mieux que les autres. J'ai raison. Can't you understand my perception of life is the right one? Pouvez-vous pas comprendre que ma perception de la vie est la bonne? But when it starts, this personality, when it's ruling, when it starts to trickle into my feelings. Et quand cette personnalité commence un petit peu à s'égoutter à travers mes sentiments. That's when I feel so easily insulted. C'est là que je me sens très facilement insulté. Disrespected. Sans respect, ne pas être respecté. Not valued. Ne pas être valorisé. Excluded. Être exclu. Sensitive. Très sensible. Anyone sensitive here? Il y en a qui sont sensibles ici? Okay, on a. No, it's true. I don't think we are. Qui est sensible? I think we're hypersensitive. Okay, peut-être que vous êtes pas sensible, vous êtes super sensible. And when it comes into my behavior, very dominating, forceful, controlling behavior. Et ensuite, quand ça vient au niveau de mes comportements, ça devient des comportements très forts de contrôle. So often we feel that the storms of insult and hurt come from outside. Souvent, on a l'impression que la tempête des insultes vient de l'extérieur. But the person with spiritual wisdom understands that my own ego is deceiving me at that time. Mais en fait, celui qui a une intelligence spirituelle comprend qu'à ce moment-là, c'est mon propre ego qui me trompe. My own ego is the seed of most of the storms in my mind. En fait, c'est notre propre ego qui est la graine de presque toutes les tempêtes. But this first personality is just a front for the second personality. Mais cette première personnalité n'est qu'une façade ou une apparence qui cache la deuxième personnalité. Hiding behind that confident exterior is, you know, that little vulnerable me. Derrière cette façade. La personne qui est invulnérable, qui est forte, mais il se cache un petit peu cette petite personne vulnérable qui est à l'intérieur. I call this one the eye of lack of self-respect or the eye of inferiority. C'est ce que j'appellerais l'œil du manque de respect de soi ou l'œil de l'infériorité. Honestly, it's this eye dominating our world at the moment. C'est aussi cet œil qui domine notre monde en ce moment. This eye thinks others are better. Cet œil pense que les autres sont mieux. You know, others don't love me. Les autres ne m'aiment pas. Others don't want me. Les autres ne me veulent pas. Others don't respect me. Ils you me know all those pas. Paranoic style thinking. Toutes ces pensées de paranoïa. And when this eye is ruling my inner system, that's when I feel hopeless. Quand cet œil domine ma personnalité, à ce moment, c'est là où je me sens sans espoir, désespéré. Inadequate. Que je me sens inapproprié. Inferior. Incompétent, inférieur. Unworthy. Indigne. Mm. Powerful feelings. Donc des sentiments puissants. Even depressed. Même déprimé. There's an epidemic of depression in our world. Il y a une épidémie de dépression dans notre monde. In psychology, they see depression as like a sadness that my dreams in life to be loved and valued haven't happened. Ils voient que la dépression, les psychologues voient qu'en ce moment la dépression, c'est comme une immense tristesse de voir son rêve d'être aimé et respecté ne pas être réalisé. But from a spiritual perspective, depression is like a mourning for the loss of my true identity. Mais en fait, d'un point de vue spirituel, d'une intelligence spirituelle, la dépression n'est vue que comme le lever de soleil, un petit peu d'une forme de ne pas être apprécié, de ne pas être aimé. So often today we swing from the highs to the lows, you know, the eye of superiority to the eye of inferiority. Et souvent, on se balance un petit peu d'un à l'autre, c'est-à-dire d'un œil de supériorité à un œil d'infériorité. My sacred place is totally violated by stormy thinking, heavy emotion, and up and down. It's an exhausting life. Mon espace sacré devient à ce moment-là constamment violé par toutes ces pensées de tempêtes diverses, qu'elles soient d'une forme ou d'une autre, et qui viennent donc déranger cet espace sacré. But on my journey to discovering the eye of the storm, I go towards the original eye. Mais dans mon cheminement pour aller vers cet œil au cœur de la tempête, je découvre à ce moment-là l'œil originel ou
I or the original I? The I. Parce qu'en anglais, l'œil, I, c'est aussi je. Donc le je ou l'œil originel. And this I thinks. Et cet œil, ce je pense. I am a soul, a spirit, a tiny point of life energy. Je suis une âme, je suis une pointe, une étincelle d'énergie, une énergie consciente. Residing in the front of the brain near the pituitary gland. Et je suis là, devant le cerveau, juste près de cette glande. The soul is a wonder. L'âme est une merveille. It exists and yet it has no length, breadth or width. It's the most subtle entity. C'est une âme donc qui existe mais qui n'a ni largeur, longueur, hauteur. C'est une énergie subtile. As I begin to journey towards the experience of my permanent self, I start to observe how I'm so deceived by the eye of arrogance and the eye of lack of self-respect. Et alors que je chemine vers cet œil donc originel, donc l'œil de l'âme, ce jeu de l'âme, je vois à quel point je peux me faire tromper facilement par toutes ces tempêtes nées de ce regard, de ces yeux, de l'arrogance ou du manque de respect de soi. When the original I is ruling, my own experience is that you come home to such a sweet place inside. Et quand cet œil originel commence à gérer ma personnalité, je me rends compte à quel point il y a une tranquillité, une paix qui est là. Where you feel so comfortable. Dans le sens où on se sent tellement à l'aise. Where you take all the pressure off yourself to be something, to be noticed, you know? C'est comme si on n'a plus aucune pression d'être remarqué ou d'être quoi que ce soit extérieurement. Yeah, I feel so sort of centered internally and really in a natural way. Through my eyes, I begin to observe the world and the storms raging around me. Et donc, je me sens tellement centré, tellement focalisé intérieurement qu'on peut regarder toutes ces choses extérieures, ces tempêtes du monde extérieur. My own experience was when I, the beginning of my spiritual journey, my mind would absorb the world. You know how the mind does that? Au début de mon cheminement spirituel, je voyais à quel point cet œil intérieur absorbait le monde au complet. Absorb the moods, everything from other people and situations. J'absorbais l'humeur des autres, tout ce qui venait de l'extérieur, je pouvais l'absorber. But the more I educate myself to move into this place of the original I begin to observe rather than absorb. Et donc, quand je me déplace vers ce jeu, cette identité originelle, je me rends compte qu'au lieu d'absorber, au lieu d'absorber l'extérieur, j'arrive à l'observer. I still feel close to everyone. Je me sens toutefois très près de tous les autres. I'm totally involved in life. Toujours impliqué dans la vie. I'm connected, I'm communicating. Toujours en connexion, en communication avec les autres. But I'm uninfluenced by. Mais je ne suis pas influencé par les autres. It's like you're taking back the authority of your inner self once again, and you're not allowing life to drive and rule your thinking. Comme si je reprenais l'autorité sur moi-même et que je ne laissais pas simplement l'extérieur me diriger, me conduire. Of course, it takes practice. Ah, bien sûr, ça prend un peu de pratique. But such a sweet place to be. Mais c'est quand même un lieu tellement doux dans lequel on veut être. Yeah. And I think in that sweet place, I start to dismantle the habit of accepting sorrow from others. Et dans cet espace très doux, très tendre, je défais un petit peu ou je démolis cette capacité à généralement accepter le chagrin ou la peine venant des autres. How deep is that addiction? Et combien on est profondément accoutumé à cela? I often feel most of us have a PhD in accepting sorrow. Je pense qu'on a tous un doctorat dans cette capacité d'accepter la souffrance des autres. We're experts. On est donc exposés. All this stuff drives my thinking. Parce que toutes ces choses ne font que diriger mon esprit. But the more I feel I establish myself in my original as my original self, the soul. Et quand je m'établis vraiment, que je me stabilise en cette identité originelle d'être moi-même une âme,
the fluctuations of the eye of arrogance and the eye of lack of self-respect get less and less and less. Et donc l'influence de ces arrogances, enfin de ces yeux, l'œil de l'arrogance ou celui du manque de respect commence à m'influencer de moins en moins. And really, I learn to carry a more peaceful mind into any situation in life. Et donc j'arrive à développer un esprit beaucoup plus paisible dans toutes les situations. It's not that it just sounds nice; it can be a reality. Et donc c'est quelque chose qui devient une réalité aussi. The second type of crisis, I think, or storm that we all face is perhaps an emotional one. La deuxième forme de crise qu'on ressent tous est souvent une crise émotionnelle. We all live in the battlefield of human relationships today. On vit tous sur le champ de bataille des relations humaines en ce moment. You know, I was just in Toronto yesterday and someone asked the question, you know, what to do when you're living or working with someone who has such a negative attitude? J'étais à Toronto hier et quelqu'un me posait une question. Comment tu fais quand tu travailles ou t'habites avec une personne qui a une attitude tellement négative? And I thought, I think that's the most common question I get wherever I go in the world these days. Je pense que c'est la question la plus fréquente qu'on me pose, peu importe où je vais. And these are the crises of conflicts, of differences, of rejection, of hurt, and these are deep crises that each one of us in this room knows about. Ce sont des conflits, enfin des crises qui surgissent quand il y a des conflits comme ça dans lesquels on se sent rejeté, qu'on se sent blessé par les autres. Ce sont des crises que tout le monde connaît. How much do we need to be loved? We need so deeply to be loved. And so when we're rejected or not loved, how painful is that experience? Combien avons-nous besoin d'être aimés, profondément aimés? Et donc le moment où on ne se sent pas aimé, combien est-ce qu'on se sent à ce moment-là blessé? I think in my life, of all the things I value, it's the experience of true love. Et donc dans ma vie, moi ce que je pense pouvoir valoriser le plus, c'est cette expérience d'un véritable amour. And I notice myself, because one of the lovely things of the spiritual journey is you become a gentle observer of your own inner world. Une chose que je trouve, c'est qu'on devient donc un observateur sur ce chemin spirituel. Une des belles choses, c'est qu'on arrive à s'observer, on s'observe soi-même aussi. And I notice when my heart feels full of love, my whole inner world changes. I feel very easy about who I am. Et j'ai remarqué que lorsque mon cœur est empli d'amour, quand je me sens vraiment empli d'amour, combien tout ce qui m'entoure change aussi, combien tout devient facile. It's a sense of contentment. C'est un sentiment de contentement. And there's absolutely no doubt I'm more loving and generous towards others. Il n'y a aucun doute qu'à ce moment-là, je suis beaucoup plus aimant et généreux envers les autres. But on the other side, if the heart lacks love, the mind can never rest. D'un autre côté, si le cœur est en manque d'amour, l'esprit n'est jamais au repos. You know the agitated mind? Connaissez l'esprit agité? You know sometimes how this restless, agitated mind, it's looking, searching, it can never just... I think it's searching for the taste of true love. Comment cet esprit agité est toujours fébrile et toujours à la recherche de quelque chose. En fait, ce qu'il recherche, c'est cet amour véritable. Sometimes I think the subtext of human life is this search to taste true love. Et je pense que souvent, ce qui est vraiment sous-jacent à la vie humaine, c'est cette volonté de savourer ou de goûter à l'amour vrai. We invest our heart in relationships. Sorry, where? We invest our heart in relationships. On investit notre cœur dans les relations. You think how much you give in some relationships in your family. Pensez so much. Combien vous investissez dans vos relations, dans les relations de famille aussi. And yet there's a huge human dilemma. Il y a un dilemme humain énorme. No relationship is permanent. Aucune relation n'est permanente. Whether it's change, whether it's separation, whether it's conflict, whether it's death, no human relationship is permanent. Aucune relation humaine n'est permanente, que ce soit le changement, le décès, la séparation. It creates almost a constant storm of insecurity inside of us. Et donc ça crée une forme de tempête d'insécurité constante en nous. The fear of losing that which I love. La peur de perdre ce que j'aime. It's what I really deeply love personally about spirituality. C'est ce que j'aime vraiment profondément à propos de la spiritualité. Because spirituality explores the one relationship that's permanent. Parce que la spiritualité explore
la seule relation qui est permanente. The relationship when I experience myself as the eternal soul, the relationship with God, the supreme soul. L'expérience qui vient de capable de me considérer moi-même comme une âme et d'avoir cette relation avec Dieu. And this isn't like a religious devotion. C'est pas une forme de diversion religieuse. It's not like just a belief in something. C'est pas juste une croyance en quelque chose. It's a deep experience of a loving relationship with like the lover of the soul. C'est une relation profonde d'amour avec celui qui aime l'âme. And I think that when I start, my mind starts to learn how to connect. It's such a stabilizing force. It's like that's the influence on my mind rather than the storms of the world around me. Et quand j'apprends à faire une connexion entre l'esprit et Dieu, donc à ce moment-là, cette connexion peut tellement tranquilliser, tellement stabiliser l'esprit qui me permet de rester stable devant toutes les tempêtes qui m'entourent. When I visualize the Supreme Soul in my meditation, it's this image here. Quand je visualise l'âme suprême dans mes méditations, c'est cette image que je vois. A soul like myself. Une âme comme moi. But a soul that's pure and unblemished. Une âme qui est pure, qui n'est pas ternie. And often I think that it's like the Supreme Soul or God is on the FM wavelength. C'est comme si des fois je pensais que Dieu ou l'âme suprême était sur des ondes FM. When my mind's caught in this world, it's like I'm on the AM dial, you know? Mais moi, je suis plutôt sur les ondes AM. That's an old reference. I haven't heard AM and FM for a long time. But it's like, you know, my mind is so absorbed by this world. And to tune in, I've got to go up to the FM dial. Wow. I never heard that. Did you know that? God is on FM, I'm on AM. Donc Dieu est sur les ondes FM, moi je suis sur les ondes AM. J'ai jamais entendu ça. Je travaille dans les médias, donc I'll tell my boss, you know, in the CBC that. <you know. laughs> But it's like religion is often on the AM dial, and you sort of believe in something on the FM dial. But spirituality is taking myself up as a soul and resonating on the same frequency. C'est comme la religion des fois qui est vraiment au niveau AM et qui essaye de se connecter à une croyance qui elle est au niveau FM. De la même façon, l'âme essaye aussi de faire cette connexion, de monter à un autre niveau de conscience. And I think when that connection is there, it brings a tremendous inner strength to take back the authority of my inner world. Quand cette connexion est établie, c'est comme si je récupérais une force extraordinaire qui me permet de reprendre le contrôle. Really, in my own experience, you know, nothing happens overnight. But I've really felt over the years that it gives back a sense of, I don't like the word control, but that's the only word coming to my mind, of my inner world. And I don't feel so vulnerable to all the external circumstances. Mon expérience personnelle, c'est que rien ne se produit du jour au lendemain, mais que quand on regagne un petit peu ce mot, que j'aime peut-être moins le contrôle, mais au moins, il y a ce contrôle sur toutes les situations extérieures. On se sent beaucoup moins vulnérable. Mastery, thank you. Perfect. La maîtrise, une alternative à contrôle. Please feel free to let me know if there's any words that might be. Ou d'autres mots. The third type of crisis, I think all of us face, you know, first ones come from the world, the second ones come through our relationships with others. But sometimes we have these personal crises. Donc la troisième forme de crise à laquelle on fait face, la première étant celle qui vient du monde extérieur, la deuxième de nos relations. La troisième, c'est des fois c'est plus comme vraiment de l'intérieur que la crise surgit. Sometimes scenes in life just trigger deep feelings of insecurity. C'est comme si les scènes extérieures des fois déclenchaient un sentiment profond d'insécurité. Fear. De crainte, de peur. Memories of past mistakes. Le souvenir des erreurs passées. Regrets. Les regrets. You know, how many things are lurking in my subconscious? Combien de tout cela pensez-vous qui est en train de grouiller un peu dans notre subconscient? And I think one of the beautiful things about the spiritual journey is that when I begin to understand the self, the soul, I have a conscious mind. That the sense organs provide information that goes into my mind, but I have a subconscious mind too.
Parce qu'une des merveilles encore de la spiritualité, c'est lorsqu'on devient conscient que, bien sûr, on a un esprit qui nous fait penser de façon consciente, mais il y a aussi comme un sous-conscient ou un... No French word for that. Subconscient. Subconscient, oui, ça va la même chose. Subconscient. There's one, that's a French word. And this is an extraordinary record of my past story. Et ce subconscient est en fait un enregistrement merveilleux de toutes ces mémoires anciennes. It's like I have a memory track in my subconscious, and every past event and every emotion experience is recorded in this memory track in my subconscious. C'est comme si dans mon subconscient il y avait un enregistreur qui enregistre toutes ces mémoires du passé qui sont là enregistrées. The nature of life is that a personality, a situation triggers some of those recorded events from the past, and it just floods emotion and storms into my mind. Et la vie est telle que dans mes relations, souvent ces relations ne font que déclencher un souvenir qui est associé à ces mémoires, à ces enregistrements, et à leur tour, ces enregistrements font ressurgir une émotion associée à cela. One of the most powerful things is fear. Une des choses les plus puissantes, c'est la peur. Fear is like an emotion experienced in anticipation of danger, evil or pain, whether real or imagined. Et donc la peur est un... Can you start that again? Fear is an emotion experienced. Okay. C'est une expérience émotionnelle, la peur donc qui est souvent en fait le reflet de ce danger, danger. In anticipation mm-hmm. of fear. Donc, no, c'est... sorry. Of... He's trying to get it complete now. Donc la peur est en fait déclenchée en prévision, en peur en fait, en prévoyant cet danger, danger. Of danger, evil or pain. Le danger, le mal ou la souffrance. Whether real or imagined. Que ce soit vrai ou une imagination. You know, I was in South Africa last year. J'étais en Afrique du Sud l'année dernière. And I was in a public event, and I think fear was came up. And one man stood up and he said, "How much fear is real and how much is imagined?" Et donc le sujet de la peur était vraiment au cœur de la discussion, et un homme s'est levé et il a dit, "Combien est-ce que de peur est vraiment vrai et combien est le fruit de l'imagination?" And in my wisdom, I said, I don't have a clue. Et dans ma sagesse, j'ai dit, j'en ai pas la moindre idée. But I guess, I'd say 90%. Imagination? I guessed, yeah. Oui, mais j'aurais plutôt tendance à croire que 90% de nos peurs sont de l'ordre de l'imagination. And he said, I googled it, and you know how Google is all truth these days. Et alors la personne était It's sur Google. The paragon of all truth these days, Google. Google est devenu maintenant le détenteur de toute la vérité. I think we're in Google age, you know, that's a new age, it's called Google age. And Google said 93%. Et Google a dit 93%. But it's... Fear is a really fascinating thing because it's directly connected to my past experiences and actions. Et donc la peur est quelque chose de vraiment fascinant parce qu'elle est directement reliée à mes expériences passées. Most of us dance to the tune of our past fears. La plupart d'entre nous ne faisons que danser sur l'air de nos peurs. They can absolutely dominate my thinking. Dominent complètement notre pensée. But my own experience is that as we begin to go deeper and deeper on the spiritual journey. Mais l'expérience que j'ai, c'est qu'en allant de plus en plus profond, en allant de plus en plus profondément dans notre voyage spirituel, we slowly start to dismantle all these fears built around loss of something. On commence à démonter un petit peu toutes ces peurs associées à la peur de, associées au fait de perdre quelque chose. Because spirituality is about building a foundation on that which is permanent. Parce que la spiritualité, c'est en fait de construire une fondation sur ce qui est permanent. To have a relationship with my eternal self. Une relation avec mon soi éternel. To have a permanent relationship with a higher power. Avoir une relation avec celui qui est un pouvoir plus grand que moi, donc un pouvoir suprême. And as that becomes my foundation.
Et donc quand ça devient ma fondation. It's like I start to dismantle all these fears I've built up, these dependencies I've created. And the more I become dependent on temporary things, the more I fear losing those things. Donc ça commence à démonter un petit peu toutes ces peurs que j'ai créées, puisque toutes ces peurs sont souvent basées sur des acquisitions temporaires, donc on a peur de les perdre. Once I was in the Brahma Kumaris place in London, Global Corporation House. Un jour, j'étais donc dans un centre Brahma Kumaris à Londres. And one of the guest speakers was John Cleese. You know John Cleese from Monty Python? Et donc, vous connaissez John Cleese, you know de Monty Python? Yeah. He walked out on stage. You know, he actually studies a lot of Buddhism. And he walked out on stage in this little, it looked like an English country gentleman. And everyone thought, oh, there's John Cleese. And they began to laugh, you know, but he came to give this profound talk on impermanence. Il est venu sur scène pour donner une conférence avec son petit gilet très british. Et puis, les gens ont commencé pratiquement à rire en disant, tiens, voilà le comique qui vient là. Alors qu'en fait, il venait pour donner une conférence sur l'impermanence, donc quelque chose de très profond. And I remember what he said. Je me souviens de ce qu'il a dit. He gave this wonderful analogy that life is like a train journey. Il avait cette analogie magnifique selon laquelle la vie est un voyage, un train. Life is the train. La vie est le train. The train stops at stations. Le train s'arrête à différentes stations. People hop on the train. Les gens rentrent dans le train. People hop off the train. Les gens sortent du train. You go to the next station. On va à la station suivante. People hop on the train. People hop off the train. Les gens sortent. Eventually you hop off the train. Éventuellement vous sortez du train. And it's like life. You know, people come into your life, people go out of your life. Possessions come into your life, possessions go out. Roles, responsibilities come and go. It's the nature of existence. Et en fait, la vie et le train, c'est comme cela dans notre vie. Des gens rentrent dans notre vie, sortent de notre vie, des rôles rentrent dans notre vie, sortent de notre vie, des possessions rentrent, sortent de notre vie. And I can only really manage or understand this when I lay my foundation on that which is permanent. If I attach my heart to anything temporary, I build so much fear and storms into my life. Non, je vis ma vie comme un train comme cela, mais en ayant cette fondation des choses qui sont permanentes versus avoir tellement d'attachement, tellement d'accoutumance aux choses qui sont temporaires, qui ont construit cette grande peur de toujours les perdre. But I think to really manage that sacred state of mind in this world, we need to put a little structure into my daily life. Et donc pour être capable de maintenir un petit peu cette forme de cet espace sacré dont tu parlais plus tôt, de l'esprit en paix, j'ai besoin de développer vraiment une structure basée sur une certaine discipline aussi. I find many people today we want some substantial or meaning in our life. En fait, pour la plupart des gens, en ce moment, on veut substance, un sens à la vie. But sometimes we approach meditation or spirituality like a hobby. Mais on développe plutôt notre approche à la spiritualité ou à la méditation comme étant un passe-temps. We do it when I have time. On le fait quand on a du temps. But it's a very secondary thing to what's really important in life. Mais ça reste toujours quelque chose de secondaire par rapport à ce qui est vraiment important dans la vie. In the 80s, when the whole stress thing hit, it became more like a discipline, you know, like physical exercise. Many people began to meditate in a regular way. Dans les années 80, quand la vague du stress a vraiment frappé la société, c'est comme si là on avait développé cela comme une discipline, quelque chose d'important. Il y avait l'exercice physique, il y avait la méditation. But my experience these days, when it really works, is when I take it up as a lifestyle. Et pour moi, ce qui marche véritablement, c'est quand j'adopte cette pratique, ce chemin spirituel, comme un mode de vie. I put a little structure in my daily life to support me learning how to live in the eye of the storm. C'est comme si j'établissais une structure dans ma vie qui me permette de mieux rester stable dans l'œil de la tempête. We want to be less influenced, and to do that, I've got to practice. On veut être moins influencé, pour cela, j'ai besoin de pratiquer. And I feel even if you experiment for a few months and wake up every single morning, and rather than your mind just starting to travel to all those stormy places, I go in and I start to connect with my original self and the Supreme.
Et donc, même si vous pouviez faire cette expérience pendant quelques mois, d'avoir cette pratique, cette structure vraiment ferme de tous les matins, de voir comment notre esprit, qui est bombardé, attiré vers toutes sortes de tempêtes, peut se connecter à ce soi éternel, à moi l'âme, et à l'âme suprême, à Dieu. It's like I educate myself how to carry my spirituality into everyday life. C'est comme si je m'éduquais à pouvoir amener ma spiritualité dans une forme pratique de mon quotidien. It's an act of love for myself. C'est un acte d'amour pour moi-même. I just feel it's so important to do something for me. Who else is going to do it? Je me dis que c'est tellement important de faire quelque chose pour moi, qui d'autre le fera? I'm finding it's exponential, the pressure from the outside world on our minds. Yes. If we don't do something on a regular basis, then even some of us who felt we were okay, it's like things are affecting us more and more. Parce que la pression extérieure augmente de façon exponentielle. Et donc, si je ne fais rien, on sent qu'il faut faire quelque chose. Sinon, on ne ferait que être influencé, et donc influencé par les choses extérieures. And really, I think that as we practice on a regular basis, it's like a self-education, learning how to live in this world with all its challenges and yet keep my mind in that sacred place. Keep that beautiful crystal clear pond. It is possible. Little storms will come, but my resilience and my response gets stronger and stronger, and I learn to live with a peaceful mind. Mais on voit qu'il est possible, devant ces tempêtes extérieures, de développer cette stabilité au cœur de ce petit étang d'eau cristallisée, pure, cet espace sacré. Et même si des tempêtes vont venir, c'est ma résilience, c'est ma façon de voir comment réagir pour garder cet espace sacré, pur et stable. Do you think it's possible? Pensez-vous que c'est possible? You know, it seems very challenging in such a world, I know. But if you give yourself the self-respect to try it, and that's what I always feel. In Australia, we have 3 live-in retreat centers. Mais je me dis que c'est ok, ça semble un grand défi dans la vie de l'atteindre, mais quand même, si on se donne ce respect du soi, de le faire, de le pratiquer, je pense que c'est possible. En Australie, ils ont 3 lieux de retraite. Every single weekend, they're full of people. Des lieux de retraite, pas pour les personnes âgées, mais pour des retraites spirituelles. Chaque fin de semaine, ces centres de retraite sont pleins. And these days, we always say, listen, a retreat is lovely, but it's often just a high, and then you have to go back into the same circumstances. Souvent, les gens vont dans ces centres de retraite pour des retraites de spiritualité. Ils disent que pendant la retraite, on sent super bien, mais après, il faut retourner dans notre quotidien. Start to put a little structure in your life that suits your personality, but do something. Commencez à créer cette structure dans votre vie personnelle qui soit adaptée à votre personnalité, quelle qu'elle soit, mais au moins cette structure est essentielle. One of my closest friends in this life, funny language perhaps to say, but he's the CEO of the health department in Melbourne. Un de mes amis favoris dans cette vie-ci, c'est drôle de dire ça comme ça, mais c'est le CEO d'un... He's the CEO of what? The health department. Du ministère de la Santé. And he tells me that all the advertising budget now is going into mental and emotional health. Et il dit tout le budget pour la publicité va en fait maintenant dans les soins pour la santé mentale et santé psychologique. It's a worldwide phenomenon. C'est un phénomène mondial maintenant. And that's where I have to take responsibility to do something for myself. C'est pourquoi je dois vraiment prendre mes responsabilités pour faire quelque chose pour moi-même. Anyway, I'm starting to preach a little bit now, aren't I? Okay, je commence à prêcher un peu. Anyway, it's lovely to be here, and thank you for your lovely attention. It's been really lovely to be with you tonight. Très agréable d'être ici. Merci pour votre attention. Tout particulier. Would you like to take us into a meditation commentary? I'd love to, but would it be better to do it in French rather than have a translation during meditation? Some will need to be in English as well. Okay. So here in Quebec, we're very, easy with both. We switch from one to another very easily. So. Ça vous va, on fait rarement des commentaires bilingues, mais on pourrait en faire un bilingue aussi.
It will be a sort of tourism. Okay, lovely. can I suggest that we have maybe 5 or 6 minutes meditation, but how you prepare yourself has a big impact on your experience. Je suggérerais qu'on fasse une méditation de 5-6 minutes, mais en fait la façon dont on se prépare avant de méditer peut avoir une très grande influence sur notre méditation. Meaning that if I have the deeply determined thought that in these few minutes I'm really going to, you know, focus on this journey to the eye of the storm and not allow your mind, not suppress it, to wander home, wander to your family, wander to this, wander to that, but really be present with a determined thought. Ce que veut dire se préparer en fait avant la méditation, c'est d'avoir cette détermination que pendant les prochaines minutes, on va vraiment non pas refouler nos pensées ou les écraser comme ça, mais d'avoir vraiment cette détermination de maintenir nos pensées dirigées vers cette direction, vers l'œil de la tempête, et d'être capable d'être vraiment focalisé pendant les 5-6 minutes qui vont suivre. If I'm determined, I can go deep quickly. Quand j'ai la détermination, je peux aller en profondeur rapidement. So let's just sit quietly. Donc on peut s'asseoir confortablement, paisiblement. Let me sit comfortably. Assis confortablement. And with gentle determination. Avec une détermination très douce. Let me emerge the image of my mind as a sacred place inside. Je fais émerger l'image de mon esprit comme étant un espace sacré intérieur. Just visualize a crystal clear pool of water inside. Et donc je peux y visualiser un étang d'eau propre et cristallisé à l'intérieur de moi. Wisdom is to keep this pool so silent and tranquil. Et la sagesse est de savoir maintenir cet étang serein et calme. The entry point is to experience who I am. Et pour commencer, je fais l'expérience de qui je suis. Just visualize the eternal self sitting behind the forehead in the front of the brain. Et je visualise le soi éternel au centre du front, juste devant le cerveau. And just gently feel yourself stepping back from the consciousness of this body. Et donc je peux ressentir à ce moment-là combien je me retire de cette conscience du corps. Just feel yourself gently withdrawing. Et donc commencer à ressentir que vous vous détachez de cela. Letting go. En lâchant prise. And coming back to my original state of deep peace. Et je retourne à mon état originel d'une paix profonde. In this state of self-awareness. Dans ce niveau de conscience de soi.
I come in front of a radiant jewel of light. Je viens face à un joyau de lumière rayonnant. Just move towards this beautiful light. Et je me rapproche de cette lumière merveilleuse. Keep this image in your mind. Gardez cette image dans votre esprit. This is the supreme among all souls. C'est le suprême parmi toutes les âmes. An unlimited source of divine love. Une source illimitée d'amour divin. Just allow yourself to be completely loved. Et donc, laissez-vous être complètement aimé. Just keep your total attention to this pure love. Absorb this pure love. Gardez votre attention entière sur cet amour pur, le fait d'être aimé. The more I feel this love filling me and washing me, my mind begins to cool down. Et plus je ressens cet amour qui m'emplit, qui me rafraîchit, je sens alors que mon esprit se calme. Just feel this pure love calming my mind down. Ressentez cet amour pur qui calme mon esprit. Such a sweet feeling. Une expérience tellement douce. And when I feel stable in this internal feeling, et quand je me sens stable dans ce sentiment intérieur of deep self-respect, avec un sentiment de respect de soi profond, I begin to observe the world around me. Je peux alors commencer à observer le monde autour de moi. I observe a world with so many upheavals and so many challenges. J'observe un monde dans lequel il y a tellement de turbulences, tellement de défis. I extend so much compassion and love. Je peux ressentir alors énormément de compassion et d'amour. But I don't absorb it. Mais je n'absorbe pas ce qui m'entoure. I'm beginning to learn to protect my mind. J'arrive alors à être capable de protéger mon esprit. I'm carrying this sacred mind into each part of my life. En pouvant ressentir que cet espace sacré s'étend dans tous les recoins de mon esprit. Spirituality is learning to take my peaceful mind into every place of my life. Et la spiritualité, c'est de pouvoir amener cette tranquillité de l'esprit dans tous les aspects de ma vie. I just need to practice. J'ai juste besoin de pratiquer. If I wake each morning, et si je me lève chaque matin, and visit my permanent self and my permanent lover, et que je visite ou que je rende visite à mon soi éternel, permanent, and settle my mind down, et que je vois celui qui est également permanent dans son amour. And then with wisdom I carry this state of mind. Mon esprit alors s'apaisit et avec sagesse, je transporte cette paix avec moi. Into each scene of my life. Dans chaque scène de ma vie. This is spirituality. C'est la spiritualité. I have a benevolent attitude to others. J'ai une attitude. And a benevolent attitude to myself. J'ai une attitude bienveillante envers les autres. Et bienveillante envers moi-même. To practice regularly is an act of love for myself. D'avoir une pratique régulière est un acte d'amour pour moi.
Shanti. Thank you so much, Charlie Bryan. On aimerait bien sûrement continuer. On pensait peut-être qu'on aurait dû donner du temps aussi à des questions, mais l'heure avance. On ne veut pas vous garder ici toute la nuit quand même. Mais avant de partir, on a une tradition ici à l'émergence et au sein des Brahma Kumaris qui est après avoir mis un peu de douceur dans vos oreilles, on en met dans votre bouche. Et donc, on commence à mettre du miel dans les oreilles, puis après, un peu de sucré dans la bouche. C'est ce qu'on appelle des douceurs, des tolis. And so, after putting some sweet in your ears, we put some in your mouth. That makes it complete doors to the sacred space, very sweet. And eventually, if you have sweet in your ears and sweet in your mouth, it comes to your heart, and then you melt. And it becomes so loving, because everything cooked is cooked with love. So in a way for you to also experience a little closeness with Charlie, some are sitting all the way at the back, we'll invite you to come one by one quickly and you just hold on to your, give your hand and then Charlie will give you a nice little sweet that has been prepared with lots of love. Merci infiniment pour votre écoute, toutes mes excuses aussi pour la traduction, des fois c'est, il est quand même assez poétique dans sa façon de parler avec des structures complexe, mais j'espère avoir pu retransmettre l'essentiel, en tout cas, de son message, et on espère vous revoir. Once, thank you. And please come again, even if Charlie is not here next time, it's okay, we'll put you some more sweet somehow in your eyes, ears and mouth. Alors, Om Shanti, thank you.
Thank you.
Mm-hmm.